Salut à tous et à toutes. Donc, on se retrouve aujourd'hui donc pour mon émission La Confrérie des Assassins. Donc, pour l'épisode 1, présentation. Donc, qu'est-ce que c'est donc que cette émission? Donc, à partir de maintenant et tous les dimanches, donc je vais sortir un épisode de mon émission. Alors, dans mon émission, donc je vais parler et elle sera divisée en plusieurs rubriques. Alors, pour le moment, bien sûr, par après, il y en aura des nouvelles. Mais pour le moment, il y en a trois. La rubrique News, donc c'est toutes les news sur Assassin's Creed 3, ou sur la série Assassin's Creed, les vidéos qui sont sorties, les informations, les photos, etc. Ou même des dossiers que des fans de la série font, qui sont, comment, intéressants. Donc voilà, on peut faire ça. Donc ensuite, on a donc la rubrique précédemment. Alors, la rubrique précédemment, donc c'est au niveau de ce qui s'est passé la semaine dernière dans ma chaîne YouTube. Voilà, et s'il y a d'autres youtubeurs qui vont être avec moi donc pour faire un épisode, ben eux aussi dans précédemment ils auront leur propre partie à eux. Donc voilà, donc ensuite vous avez la rubrique la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ben, c'est une explication des vidéos qui vont sortir donc la semaine d'après, des vidéos montage, des retours, etc. Bon, ça on peut pas prédire, mais on peut dire que cette semaine je vais commencer ça ou ça. Enfin bref. Alors, également beaucoup plus tard, donc il y aura aussi une rubrique invité. Donc des personnes vont demander, ou on va demander à des personnes si elles veulent donc venir en tant qu'invité dans notre émission. Alors pour ceux qui veulent déjà l'air, donc c'est possible, donc on fait tout ça avec Skype. Parce que à partir de la semaine prochaine, donc j'aurai un YouTuber qui sera avec moi quasiment tout le temps, si pas tout le temps, à part pour cette première vidéo présentation. Donc l'épisode 2 sera dédié à lui, donc pour sa présentation de sa chaîne. Donc ça, ce sera donc des rubriques qui sont cap. Ouais, déjà la semaine prochaine ou d'après. Donc il y aura de nouvelles rubriques, le youtubeur de la semaine. Donc c'est une présentation de un youtubeur que l'on va choisir. Et ensuite l'invité de la semaine. Donc pour toute demande, pour être invité youtubeur de la semaine, donc qu'on va présenter, pour être invité dans notre émission, grâce à Skype toujours. Donc j'ai le programme d'enregistrement. Hop, voilà, on enregistre. Et ensuite, comment voilà, on met un montage vidéo. Et hop, voilà, vous allez être dans notre émission, dans cette rubrique. Donc, au niveau de la présentation d'émission, ben, je pense que j'ai tout dit. Donc, elle sortira un épisode tous les dimanches. Donc, pour la rubrique news, bon, vu que c'est sur Assassin's Creed 3, enfin, la série Assassin's Creed, et que toute émission est basée sur ça. Plus tard, quand même, à la sortie du jeu, l'émission va évoluer. Pour le moment, ma chaîne n'est que sur Assassin's Creed, mais bien sûr, après les news, quand le jeu sera sorti, il y aura plus beaucoup à dire. Donc c'est pour ça que comment les news vont évoluer ensuite, autrement, mais ça beaucoup plus tard. Ça, l'émission, donc on va voir. Enfin, je dis on parce que donc avec le youtubeur qui sera là, donc je dis tout le temps, si maintenant à 90% des épisodes il sera là. Donc on verra l'évolution. On va voir déjà si comme c'est comme ça, si ça vous va. Enfin bref, voilà. Donc maintenant, donc on va aller dans la rubrique news. Donc la semaine dernière, hein. Donc ce qui s'est passé au niveau d'Assassin's Creed, donc on a les nouvelles vidéos Inside qui sont sorties, enfin une nouvelle vidéo. Donc les développeurs d'Assassin's Creed 3, donc de Montréal, vont créer 4 vidéos, si elles ne sont pas déjà créées, donc 4 vidéos Inside Assassin's Creed 3, donc sur les explications du jeu, les armes, les capacités, etc. Donc ils expliquent un petit peu le jeu, comme par exemple on a une information comme quoi le jeu va durer une trentaine d'heures, quoi, plus ou moins, avec 2h30 de cinématique, plus long qu'un film. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer quand même que c'est pas mal au niveau du jeu. C'est plus long que les autres opus. Alors personnellement, Révélation, j'ai fini en un peu plus de 12 heures, je pense, si je me souviens bien. Donc c'est assez rapide en faisant quelques missions annexes. Donc
Voilà, je pense que c'est un jeu qui sera bien long. Peut-être deux fois plus long qu'Assassin's Creed 2. Pas, peut-être pas deux fois tout juste, mais enfin voilà. Ensuite, donc on a également de nouvelles images donc, qui sont dans le montage vidéo. Donc en même temps dans le montage vidéo, donc vous avez juste avant vous avez eu donc un petit aperçu donc de la vidéo Inside partie 1 qui est sortie. Maintenant normalement vous devez avoir donc des images. Donc les nouvelles images, 6, cette image je pense que est sortie. Ensuite je vais faire aussi entre parenthèses. En fait, sur comment j'avais déjà parlé de ça dans mon retour sur Assassin's Creed 2, donc sur le site Gameblog ou Gamerblog, je sais plus son nom, je pense que c'est Gameblog. Donc on a comment un internaute, je vais dire, donc qui crée plusieurs articles sur la série Assassin's Creed et qui appelle ça une mise à jour pour le pour Assassin's Creed 3. Alors je trouve ce dossier juste excellent. Donc voilà, je lui fais de la pub même s'il me l'a pas demandé, mais c'est vraiment c'est une mise à jour. Donc toutes les informations de la vérité, tous les codes cachés qui étaient en morse, en binaire, etc. sont dévoilés. Alors on apprend un petit peu plus. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de la série, donc on va plus loin dans le jeu, ce qui fait que on apprend comment les nouvelles informations. Également dans les temps modernes, pardon. Donc au niveau de la vie de Desmond, auparavant, l'assassinat de Kennedy par exemple. Voilà, comment, pourquoi l'homme a été sur la Lune, pourquoi les Américains, etc. etc. C'est vraiment un dossier énorme. Donc il est découpé en plusieurs séquences. Donc, enfin bref, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir. Ou alors, même ne serait-ce qu'une séquence, parce que ici il est déjà à la séquence 8. Et la séquence 7 fait deux parties, et la 8 deux parties, c'est assez long à lire. Maintenant, il n'en sort pas non plus une tous les heures, donc on peut le lire assez facilement, un article par jour, et voilà, vraiment pour les fans qui sont là, oh putain, c'est trop génial, bah ils continuent leur truc et tout, donc voilà. Alors aussi, donc je voudrais parler donc du salon du jeu vidéo, donc c'était en Allemagne, le Gamescom, donc qui s'est déroulé, donc je sais plus les dates, mais comment, fin de semaine, si. Donc alors, les vidéos qui sont sorties, donc on a le making of du trailer Rise, on a ensuite, comment, donc les vidéos Inside. Je sais pas si elles avaient été présentées au Gamson. Voilà, Gamson, je n'ai pas pris beaucoup d'informations, mais c'est juste pour voir un petit, pour vous dire donc les nouvelles vidéos qui sont sorties. Bataille navale pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Au niveau, voilà. Aussi, mais bon, ça, je vais en parler un peu plus tard. Donc normalement, tout est dit au niveau donc de ce qui des news. Donc maintenant, on va passer à la rubrique donc la semaine dernière. Alors la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me suivent, je n'ai pas fait de walkthrough sur Assassin's Creed 2. Pourquoi? Telle est la question. Tout simplement parce que j'ai travaillé sur comment d'autres vidéos, des montages. Donc les montages donc qui, enfin qui sont pas sortis, mais j'ai fait des nouvelles intros et des nouvelles fins. Donc vraiment les vidéos officielles commencent avec le PEGI 18 ou comment le logo d'Ubisoft ou Assassin's Creed 3. Donc juste avant, ça ne fait pas partie de la vidéo. Donc j'ai une nouvelle intro. Donc je vais mettre un petit aperçu. Je vais les uploader, mettre les liens. Donc j'ai une nouvelle intro pour mes vidéos. Donc vidéo de montage, vidéo de gameplay, etc. Avec une nouvelle fin. Pour mes walkthroughs, j'ai une vidéo de début, une intro différente, une vidéo de fin différente. Même chose pour l'émission, c'est différent pour varier un peu les montages. Donc c'est un petit montage vidéo. J'ai dû capturer également sur tous mes jeux Assassin's Creed, monter, tout ça, ça prend quand même du temps. Cette semaine, j'ai une semaine assez chargée. Donc voilà. Mais bon, on va parler dans la rubrique suivante de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc ensuite. J'ai aussi donc au niveau des autres vidéos, j'ai également un gameplay exclusif des batailles navales. Donc c'est un petit montage donc avec musique et tout. Tous les liens bien sûr de tout ce que je parle va être mis dans la description. Donc c'est un gameplay donc sur les batailles navales qui n'est pas officiel.
On voit vraiment comment on fait les touches. Donc voilà, c'est assez comment. Enfin, j'avais trouvé un peu par hasard, hein. Donc comme voililà, j'essaie tous les jours, je cherche des informations sur des sites et tout ça, et donc des fois, je tombe sur quelque chose d'exclusif. Je sais pas comment. Est-ce que c'est une fuite? Voilà, c'est un gameplay des batailles navales. Dans ma logique, ils ont fait un gameplay sur la frontière avec la neige. Une dans la ville Boston. Ensuite, ce serait bien quand même les batailles navales. Et les guerres, les guerres, comment, anglais vs, les prochains américains. Donc les amérindiens, voilà. Donc ce serait vraiment les batailles de la révolution, etc. Ce serait vraiment pas mal, d'avoir donc deux nouveaux gameplays, donc un qui sortirait en septembre et un en octobre. Ce serait vraiment pas mal pardon. Donc bon ben voilà. Alors j'ai aussi donc une vidéo de Assassin's Creed 3 Libération. C'est pas un gameplay, c'est quelqu'un qui joue, alors ce n'est pas moi. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet, donc je sais même pas c'est qui, sinon j'aurais mis bien sûr le nom de l'auteur ou le site et tout, mais non, je n'ai pas trouvé. Donc mon avis, c'est quelqu'un qui s'est filmé, quelqu'un a appris, a mis sur son site, etc., etc. Et comme ça, c'est venu jusque ma chaîne. Donc voilà, là-dessus, voilà, je n'ai plus rien à dire au niveau donc de la semaine dernière. Donc maintenant, on va terminer avec cette dernière news. Donc la semaine prochaine, que va-t-il se passer sur ma chaîne? Donc la semaine prochaine, donc j'ai mon retour d'Assassin's Creed 2 qui va continuer avec la partie 8 et 9. Ah oui, je fais maintenant deux parties par semaine. Voilà, parce que après je rentre et tout ça, c'est la rentrée et tout. Donc pour le moment, ils sortent le lundi et le vendredi. Voilà, mes vidéos détente, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps. Je pense qu'elles vont être remplacées par l'émission. Voilà, peut-être que je ferai aussi des vidéos spéciales comment là-dessus. Mais bon, ça je verrai. Ou pendant, je sais pas moi. Pendant 30 minutes, ben, je fais des missions annexes. Donc ça, on verra. Donc, au niveau aussi de mon retour sur Assassin's Creed 1 qui n'est pas terminé, alors je ne sais pas encore comment je vais faire. J'avoue, parce que j'ai dû capturer. Quand j'ai capturé. Quand je jouais, en fait, il y a eu un problème et ça n'a pas tout capturé, en fait. Et pourtant, il n'y a rien qui bloque au nombre de minutes ou le nombre, de la taille du fichier. Je sais pas pourquoi, ça s'arrête à 8 minutes. Et moi j'avais fini. Et voilà. Donc, vu qu'on peut pas recommencer et que j'ai pas envie de recommencer, je vais essayer de trouver un autre moyen. Si pas, je vais combler ma playlist avec le retour de Majemo. Majemo 7, ou Majemo, voilà, c'est le même. Donc, qui est quand même aussi un bon youtubeur, un fan de la série. Il sera peut-être invité, je ne sais pas encore. Faut lui demander ou s'il demande, bien sûr. Pour toute demande. S'il y a trop de demandes, enfin on verra là-dessus, enfin voilà. Ensuite donc j'ai également des vidéos montage donc d'Assassin's Creed Univers, la fameuse vidéo qui était sortie l'année passée. Elle n'est pas encore sortie, sa mise à jour est Assassin's Creed 3 et pas Libération. J'ai fait un petit montage pour vous dire également que dans la vidéo j'avais déjà prévu Assassin's Creed 3 bien sûr parce qu'il était en développement depuis plus d'un an. Moment là, voilà, un an ou deux, on dirait un an et demi, et on voit à un moment donné, donc quand il évolue dans l'ADN, donc ça se rapproche donc, des temps modernes, fin de 2012, et à un moment donné, il y a l'image de Connor avec George Washington. Donc je vais vous mettre l'image ici, maintenant, pour bien vous montrer que tout était déjà prévu, que c'est nous qui sommes bouche bée, on est comme ça, on est en train de baver devant la vidéo parce qu'elle est géniale, mais Ubisoft nous cache beaucoup d'informations. Même dans ses gameplays, il y avait les codes. Et c'est d'ailleurs dans l'article donc que je vous disais dans les news qui fait ça, donc il explique également ça. Donc voilà, moi je l'ai appelé. Ce n'est pas une vidéo officielle, donc c'est Assassin's Creed Univers 2.0. Voilà. Ce n'est pas l'officiel. Lorsque ce sera l'officiel, je mettrai entre parenthèses, entre crochets, officiel pour voilà.
Non, ça devrait ressembler à un truc dans ce genre, bien sûr, j'ai pas les gameplays et tout de Assassin's Creed 3, donc je peux pas montrer. Donc voilà. Peut-être aussi, donc maintenant j'ai fini avec les rubriques. Donc peut-être également aussi il y aura une rubrique donc pour répondre aux questions du jeu Assassin's Creed 3 ou de la série, n'importe quel jeu. Comme ça, toutes les réponses, je vais les mettre dans les commentaires, de mélanger, qu'il y en a qui comprennent pas. Je vais en parler dans mon émission. Toutes les questions donc qui seront posées. Donc, alors, cette rubrique ne sera peut-être pas tous les dimanches, mais voilà. Donc, au niveau des questions sur le jeu. Donc, s'il y en a qui posent des questions, etc. Je peux y répondre ici. Ou comment, ou avant les news, ou quelque chose comme ça. Donc, pour répondre un peu aux questions. Parce que donc ma chaîne elle est comme ça, mais bien sûr s'il y a un invité, il y aura une rubrique en plus invité. S'il y a un youtubeur qui présente cette émission avec nous, quelques émissions avec nous, il aura comment aussi voilà. S'il y a le youtubeur de la semaine où on présente un youtubeur, ben voilà, bref, voilà. Donc ici, bon, cette vidéo fait un peu plus de 15 minutes. Donc voilà, c'est mon émission va se terminer là-dessus. Alors je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que vous aimez ce concept. Et donc voilà, vous pouvez mettre dans vos commentaires, oh tu pourrais faire ça pour améliorer ton émission, etc. etc. Demandez si vous voulez être invité, si on veut présenter votre chaîne la semaine prochaine. Donc voilà, si personne ne le demande, on choisit une chaîne, voilà, on explique et tout. Comment? Donc voilà, pour toute question sur le jeu, sur la série également, sur moi, donc sur ma chaîne, vraiment tout se passe ici, c'est vraiment les commentaires, ça va vraiment être ça. Donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois, vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube, donc pour suivre l'émission, donc qui sortira, je le rappelle, tous les dimanches. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé. À plus, au revoir.